Dans le cadre de la refonte du moniteur, je me suis rendu compte que finalement l'agilité, si elle est souvent beaucoup décrétée, il faut l'installer. Et pour l'installer, il faut accepter bien, tout simplement parfois de tomber, de se relever. Dans le cadre de cette refonte, c'était plus un projet de management du changement qu'un vrai projet web, et que la nouvelle méthode qu'on allait instaurer allait forcément créer des frictions. Ces frictions, je les ai assumées, je les ai même provoquées, pour arriver à un stade où tout le monde s'est rendu compte que eh ben, ça n'avançait pas. La somme des frustrations a aussi créé une énorme envie de nouveauté, de changement, et c'est en capitalisant sur cette envie de faire différemment, de faire mieux, de faire plus vite, que j'ai pu mener à bien ce premier projet agile, qui sera sans doute le premier projet qui aura passé tous les mark-up temporels, et à la grande satisfaction d'absolument tout le monde. Et le meilleur des ROI à ce moment-là, eh bien, c'est la conscience du travail bien fait et le sourire des équipes et des personnes impliquées.